gentil, tu me laisses faire mon travail de metteur en scène, et toi tu fais le tien. S'il avait fait l'acteur studio, il saurait ce que ça veut dire de travailler sur la virtualité de l'objet dans l'espace. Porte. Quelle catastrophe dans la maisonnée! Mademoiselle avec son amant, madame avec le sien. Il faut que je trouve une idée pour démêler toute cette affaire. Et moi, Paul Félix, j'étais comment? Je l'ai noté. À chier. L'esprit de Noël en danger, elle seule peut le sauver, prends garde. PS, ce message s'autodétruira dans 5, 4, 3... C'est notre moment. Oh, à nous de la guider pour réveiller les trois artêtres. Et sauver Klaus. Le vitriol est un composé sulfaté, autrement dit un poison. Oui, il ne faut surtout pas en boire. Noël, la plus jolie fille du lycée. Non. Margot Vernoux, je te crois pas. Oh, attendez. Je viens d'avoir une super idée, là. Ah, eh ben, on t'écoute. Faut savoir profiter des choses rares. Oui, Tom, vas-y, fais moi-même. On n'est pas susceptible. On est fragile. Parce que quand on dit d'une fille qu'elle est charmante, c'est qu'elle est pas très très jolie. Ah bon? Ouais. Belle. Jolie. Charmante. Sympathique. Dès que Margot franchit cette porte, ça devient un match de rugby. Y a plus d'amitié qui tienne, c'est chacun pour sa gueule. Où est-il, votre fameux train? Patience, Georges. N'en ai plus de patience. Je veux quitter ce maudit endroit. S'il n'est pas là dans 5 minutes, je rentre à Londres à pied. La dernière fois que je quitte l'Angleterre, je le jure. Dans quelques minutes, nous serons bien au chaud, à profiter de tout le confort moderne. Il arrive. Spectacle. C'est L'Alamour, un spectacle qui parle d'amour. Qui chante l'amour. Avec des chansons d'amour.
oubliez-vous? Vous aurez oublié. J'avais pourtant préparé ma liste de tous les invités. La reine, la reine? Ma tête à couper risque de s'embraser. Si je dois patienter, je serai tentée. Courez au rendez-vous. Mon filou? Mais pas du tout! Et pourtant, en principe, je suis assez psychologue, mais là, je suis kécho! Il me dit qu'il va assouvir sa passion. Enfin, qu'il va monter sa jument. Merci, c'est gentil. Bon, c'est entendu? À partir d'aujourd'hui? On le tèche. Et bah, bonne chance! Bonne chance! T'as aimé mon dîner? Franchement? Oui. C'était dégueu. T'es à cheval sur beaucoup de choses, apparemment. Je veux pas que je me colle à ton encolure. Non. Tu veux pas que je te caresse la queue? Quoi? Pardon, je m'embrouille. Il a l'air complètement abruti, on dirait un bolos. Bon, par exemple, qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'emmènes un week-end à être tard? On s'emmerderait à être tard. Sylvanaire. Sylvanaire. Alors nous, 90 ouais. minutes avec Antoine Delery, la grande originalité de ce spectacle, c'est qu'on va pouvoir interagir avec vous, le public va pouvoir être avec vous et vous poser des questions. Oui, c'est un entretien avec David Becker qui va m'entretenir comme ça, un peu comme si j'invitais les gens dans mon salon. Ouais. C'est un salon d'ailleurs. C'est un salon, exactement. Il y aura beaucoup d'interactivité, il y a des chanteurs, il y a des musiciens, on va chanter. Même moi, je ne sais pas totalement ce que je vais faire. Vous connaissez un peu les questions. Oui et non. Il va y avoir une conduite et puis après on va partir en live. C'est un peu comme du jazz, comme une émission de jazz. Venu veut Trissotin pour gendre. Quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre? Pourquoi vouloir ce monsieur Trissotin? C'est sur le mariage où ma mère s'apprête que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête. Et pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, pourvu que je vous aie, il n'importe comment. L'époux que je lui donne est monsieur... Et celui qu'en propre personne je prétends qu'elle épouse est monsieur... Deux époux? C'est trop pour la coutume. Où vous arrêtez-vous? Mettez, monsieur, Trissotin pour mon gendre. Pour mon gendre, mettez, monsieur. Clitandre. Par un prompt désespoir, souvent, on se marie. Qu'on s'en repent après tout le temps de sa vie. C'est un livre sur la quête d'un auteur. Qu'est-ce que c'est d'écrire? Qu'est-ce que c'est sur la beauté de la poésie? Sur la beauté de ces vies-là aussi, sur cet homme qui, à un moment, c'est un sacerdoce d'être toreur. C'est énormément de travail, énormément de remise en question. Et je trouve que ce livre parle de ça et qu'on le voit. Qu'est-ce que c'est se découvrir soi? Je pense qu'au moment où on se réalise pleinement, on prend une claque. Et c'est vrai que pour le spectateur, je voulais qu'il se dise... La tauromachie peut procurer ça comme émotion. J'étais très sensible aussi au fait que des personnes non aficionadas puissent venir et apprécier. Jean-Baptiste est torero, mais il aurait été pilote de Formule 1, danseur étoile ou ébéniste. C'eût été la même chose. On parle d'une histoire de quête.